Hey, 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decades Challenge. Rapidement, un petit tour d'horizon de la maison. Peut-être vous auriez des idées. Voyez qu'il y a des murs qui ont été remplacés. Voilà, parce que comme c'est en plein hiver, hein, ça se la caille un petit peu. Et tout n'est pas encore fait, tout n'est pas encore fini ou fermé. Mais au moins, nos petits Sims seront tranquillement à l'abri pour quelque temps, jusqu'au printemps, je pense. Tiens, en parlant de printemps, c'est la Saint-Sylvestre, c'est le nouvel an ce soir et c'est cool, on va pouvoir le fêter, du moins si tout le monde est en forme. Et regardez le plancher, il est voilà, c'est fermé. Pour l'instant, ce n'est pas définitif, parce que là, on pourrait dire que effectivement, j'ai gardé les mêmes proportions. Non, 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 dans ma tête, ça cogite, ça avance, mais vous inquiétez pas. Ça va venir. Après, ça fait très bizarre parce qu'il n'y a plus de fenêtres ni rien, mais c'est juste on a fermé pour l'hiver. Quelqu'un m'avait dit en commentaire, tu devrais fermer les fenêtres au moins pour ça. Et donc je l'ai fait et c'est vrai que ça m'avait traversé l'esprit et je me suis dit, c'est vrai que au lieu de faire tout de suite les grandes pièces, enfin les plus grandes pièces que je ferai, je vais peut-être fermer et faire avancer les travaux. Donc comme vous pouvez voir, il y a des murs qui poussent un peu partout et des choses qui disparaissent plus ou moins. Les trous, on a essayé de les reboucher un peu, hein, pour dire de voilà. D'ailleurs, ici, c'est bien rebouché, je pense, ou alors il y a eu beaucoup de neige, je ne sais pas trop. Alors, ça va être l'anniversaire de la petite Denise, d'après ce que j'ai vu. Eh oui, donc nous allons passer en 1950, et ça, c'est cool. Ah, et ben voilà, on aura au moins avancé. Les pires choses qui se seront. Les pires choses du Decade Challenge auront eu lieu avec les guerres. Maintenant, on peut souffler, ça va aller tranquille. Bon, les petits dans la cave font la fête quand même. Voilà, hein. Avec Poppy qui est là, qui leur tient compagnie. C'est-à-dire que bah, dans la journée, je pense que je vais les intégrer à la famille. Et puis c'est bien comme ça. Voilà, on va pouvoir s'occuper d'eux tranquillement. Tiens, je pense que Florent pourrait se lancer dans une carrière. Ou alors j'attends l'anniversaire. Je pense que je vais attendre l'anniversaire. Ça nous ouvrira un peu plus de possibilités de carrière. Oui, il y aura quand même beaucoup plus de carrière et ça risque d'être quand même un peu plus sympathique. En tout cas, il va se mettre à travailler. Et puis, Marcel aussi, d'ailleurs. Alors, Marcel, tu fous rien de tes journées, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es sûr de toi, génie glouton, très famille et responsable. Bah, dis donc, ça en fait, hein, tout ça. Bon, je vais voir, on va voir tout ça. Hein, et puis, toi aussi, il faudrait que tu rappelles ta petite chérie, qui est encore ado. Mais on va l'apprendre à la connaître de plus en plus. Elle s'appelle Juliette, je crois que c'est elle, qui est crypto et amoureuse des chats. Tu vas pouvoir demander à la qu'est-ce qu'elle vienne, comme ça vous pourrez discuter. Allez, Gigi, il est peut-être temps de te lever quand même là. Je sais que t'étais très fatiguée la dernière fois, que t'as pas beaucoup dormi là, mais il faut te lever. Tu dois aller aux toilettes. Et regardez-moi ce bidou. Le bidou de bidou, troisième trimestre dans 9 h, donc elle accouchera. Donc on est jeudi, donc vendredi soir. Ça risque d'être sympathique. Le premier enfant de 1950, ça va être bien tout ça. Bah écoute, tu veux te rafraîchir les aisselles et la culotte, tu vas donc te laver les mains et te laver les dents. On sait tous que ça marche superbement bien et après tu pourras aller manger ma cocotte. Oh là là! Oh ça y est! Ah puis alors. Ça sent des aisselles et ça sent des fesses, hein, parce que là, elle nous a sorti un caca monstrueux. Elle a tout pollué. Bravo, ma belle. Oui, elle devient une bonne amie de Marcel. Marcel, elle va sombrer à ton charme. Non, tu. Amour? Ah oui, non, c'est un mode que j'avais ajouté, j'allais dire, parce que lui, il est jeune adulte et elle est ado. Donc, il n'y a aucune raison. Non, Simone, t'es morte. Simone devient une bonne amie de Marcel, mais what the fuck? Mais Simone, t'es morte! Se plaindre. Oh, non, je ne te plains pas. Mais bon. Viens, viens, viens dans notre salon très sombre et à peine réparé rapidement, tu vas la complimenter. Tu vas t'extasier des sonates de piano. Tu vas raconter une blague sur les vampires. Bon, j'ai pas pris le temps de la relooker encore, j'ai plus travaillé vite fait sur la reconstruction de la maison, donc ça va venir, ne vous inquiétez pas. Oh, le petit Jojo, il pue la mort. Il pue la mort, donc
pour vous dire, là, la petite va donc grandir, elle va devenir enfant, elle va déclencher les 1950, évidemment, et après, elle va partir de la maison, puisque ce n'est pas l'enfant de Gisèle. Donc, elle ne peut pas prétendre à être héritière. Et on basculera sur Jojo, le petit Joseph, pour déclencher les autres futures années. Donc, seulement quand il sera adolescent. Donc, finalement, quand il deviendra enfant, on ne va pas passer en 1960, ça c'est sûr. C'est seulement quand il sera adolescent. Mais voilà, ça nous promet une bonne petite aventure. On va déjà passer en 1950 et c'est pas mal, je pense. Bon, pour Marcel, ça marche à fond parce que là, la compétence, ils sont bons amis. En tout cas, ça chante. Ça chante. Ça va très bien. Flatté, voilà. Dès qu'elle passera à jeune adulte, ça va y aller dur et sec. Comment c'est horrible ce que je dis? Ça va y aller à fond. Et ils seront amoureux. Voilà, le dernier mariage de la génération, ce sera eux deux. On m'avait demandé de montrer l'arbre généalogique donc de la famille. Par exemple, si on part de Joséphine, donc notre fondatrice, voilà où on en est. De l'arbre généalogique avec les enfants, il reste en vie Germaine et Gustave. Bon, Gustave, à mon avis, ça va pas trop tarder. Malheureusement. Et dans la tranche d'Albert, nous avons donc Simone qui est décédée, la petite Denise, Marcel, Gisèle et Irène, et Gisèle et le petit Joseph. Voilà, si on part de Pierre Nard, de toute façon on y est, hein, donc voyez un peu tout le monde. Oh là là, Clément, mais il faudrait vraiment qu'on le rencontre lui, parce que on ne connaît pas en fait. C'est le seul cousin qu'on ne voit jamais, parce que je crois pas qu'il soit dans nos connaissances. Donc il faudrait vraiment qu'on le connaisse tout simplement et qu'on voit le mélange et qu'on voit le fils de Germaine, un de ces quatre quand même. Mais voilà, pour l'arbre généalogique. Youpi! Joseph, il apprend le popo! Je sais plus qu'est-ce que je lui ai mis comme caractère. Oh là là. Il est pénible. Bon, super. En tout cas, voilà, un petit prout par-ci, un petit prout par-là. Elle aussi, elle en peut plus, la Gigi, donc. Eh bien, après, mon petit, tu pourras jouer à la poupette. Oh là là, c'est dégueulasse, c'est pas grave. Daichi vient de nettoyer. Bon, on va s'occuper un peu de la petite Gigi, là, parce que ça va pas du tout d'un coup. Et puis après, on va faire enfin l'anniversaire. Je crois que j'ai combiné anniversaire et Saint-Sylvestre. Voilà, on va inviter la famille encore vivante. Et puis, ça va être la fête, fête, fête. Ok, c'est parti, mon kiki. Toi, tu vas commencer un grand repas. Dîner avec de la dinde et les invités vont pas tarder à arriver. Qu'elle te toast avec Daichi, dis donc. Qu'est-ce que tu fais toi? Discute avec lui. Ah oui, d'accord, vous toastez ta 3. Ah, d'accord, tu peux souffler dans les trompettes en carton si tu veux. Tu peux complimenter la tenue. En tout cas, elle, il s'entend super bien avec elle, donc ça c'est archi cool. Bon, ça on n'en veut pas, hein. Ah bah lui, d'accord. Ok, bon, mais merci Daichi de ta présence. Allez, 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 ça va devenir intéressant maintenant. On va faire le nouvel an et l'anniversaire de la petite Denise qui fait joujou pour l'instant. Qu'est-ce qui c'est qui joue avec eux? Oh, c'est Florent, il joue avec son fils! Mais c'est trop chou! Ah là là, regardez-moi ça! Oh, puis alors, Joseph, il est tellement mignon! Il y a tellement une bouille d'ange. Voilà, je pense comme tous les bambins, ils ont une bouille d'ange, quoi. Malgré l'enfer qu'ils nous font vivre. Je voulais faire, voilà, une petite photo avec le mur pas du tout fini. Vous voyez, il y a un trou, il y a encore un trou dans cette chambre-là, je crois. J'ai pas, ouais, tout n'est pas encore fini pour l'instant, donc voilà, vous pouvez regarder. Ah, non, c'est bon, c'est voilà. Ici, ce côté-là, vous voyez un peu plus. Bon, voilà, hein, pas trop de spoil. Et puis, voilà, les invités vont arriver. Qu'est-ce qu'ils font tous? Non, 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 non. Regardez-moi la petite, elle a mis sa petite robe. Mais c'est trop chouki. Tu vas babiller, tu vas en lasse. Oh, mon Dieu! Trop chou. Alors, où sont les invités? Normalement, il y a son père, il y a Thomas qui est là, pour qu'elle puisse aller vivre avec lui à la fin. D'accord. Tu nous fais quoi? Pourquoi ils vont tous là à chaque fois? Ok, tu vas les appeler, peut-être on peut pas. Ok, de proposer de toucher le bébé, ouais, si tu veux. Ah ouais, mais tu fais à manger, toi. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu dors? Ça va pas, non, Florent?
Mais il va plus vite que la musique, lui, hein. Bon. Ah, ça, c'est sa sœur. Ça, c'est sa sœur, Amélie Johnson. Taquiner ne m'a l'air malicieuse. Oui. Tu vas. Voilà, une petite conversation profonde avec ta sœur. Et où est Thomas? Parce qu'il faudrait qu'il voit sa fille quand même. Ce serait. C'est qui ça? Daniel Aragon. Ah bah oui, Daniel. Ah bah oui, il y a Irène aussi. Oui. Irène, tout ça, qui sont pas encore. Je regarde parce que d'habitude, il y en a qui viennent pleurer au cimetière, mais c'est pas le cas pour l'instant. Habille-toi, Florent. Florent, tu peux t'habiller quand même, s'il te plaît. Voilà, une belle tenue comme ça avec ton petit chapeau. Tu seras magnifique. Et elle parle avec lui. Parler à l'inconnu, parler de sa couleur préférée. Ouais, bon, s'en aller, non, on s'en fout. Tu vas faire pipi. Tu vas faire pipi. Et après, on va faire ton anniversaire. Florent, tu peux te changer, s'il te plaît, je t'ai demandé. Tu serais un amour. Pourquoi il n'y a personne qui est là? Où ils sont tous? Ils sont tous en train de faire l'anniversaire. Joseph, qu'est-ce que tu fais? Il y a Germaine qui arrive. Il y a Germaine qui arrive. Jojo, viens là. Viens là, mon petit. Ne t'échappe pas. C'est quoi ces bambins qui veulent partir déambuler? Oui, ben non, c'est l'hiver, hein. Peut-être qu'en 1949, là, il n'y avait pas trop de pédophiles, mais quand même, ça devait déjà exister à la base, hein. Bref, allez, tu vas discuter vite fait. C'est une situation d'intérêt, voilà, la cousine, le papy. Cousine, le papy, n'importe quoi. Demande un petit prêt. Non! Oh là là! Voilà, c'est la fête! Et tiens, il y a elle aussi qui arrive, c'est cool. Oui, bah, annonce le grand repas, oui, parce que tu l'as pas encore fait. Oh, tonton Gus. Tonton Gus, mais il est où, Thomas? C'est une blague! Pourquoi ils viennent pas? Appelle ta sœur aussi. Je sais pas pourquoi ils viennent pas dans la maison. Il n'y a pas assez de place. Vous inquiétez pas, on va s'agrandir bientôt, hein. Alors, il va être l'heure. Marcel, tiens, tu fais pas grand-chose. Tu vas. Est-ce qu'elle a fini de pisser déjà? Non. Bon, bientôt. Mais dès qu'elle finit de pisser, on fête son anniversaire. Oh là là! Attention! Oh mince, elle est partie! Il y avait un duo de bidons là. Il y avait un duo de bidons. Irène et Gisèle, vrai combat. Alors lui avec son casque, magnifique. C'est sublime tenue. Regardez Irène! Elle est aussi fat que sa sœur. C'est magnifique. Ah là là, bon, t'as plus besoin de l'appeler. Voilà, tu manges, c'est bien, tu fais ton petit truc. Voilà, le nouvel an un peu cata, encore une fois. Mais ça, c'est Paul Allan, qui est le mari de Germaine. Et Thomas n'est toujours pas là. Il est quelle heure? 23h14. Il va être le nouvel an et tout. Oh là là. Vite! Marcel, tu fais fêter l'anniversaire. Plus de choix. Aide à souffler les bougies. Denise, allez, c'est parti. Mon kiki, Denise va devenir enfant. Nous allons passer en 1950. Ça va être parfait. Regardez-moi cette petite bouée. Et son père ne s'est même pas pointé. C'est nul. Allez, tout le monde va être là. On s'en fout du moment qu'on souhaite anniversaire. Gigi, tu gênes là. Voilà. Mochi pichi. Comme ça, il montre. Tu vois, j'aime les enfants, Juliette. Il faut que tu m'épouses. Allez, allez. Allez, on veut voir à quoi elle ressemble, Denise. Si elle ressemble à sa maman ou à son papa. Je pense plus à son père qu'autre chose. Hein. Oui! Bravo, Denise! Donc, la 2 en faculté motrice et en création. On va faire la faculté motrice. De toute façon, on s'en fout. On ne l'aura pas avec nous. Choisissez un trait. Nous allons choisir le trait. Est-ce que. Alors, voilà. Nous passons en 1950. Est-ce que j'ai un truc? Non. Non, 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 non. Je n'ai pas. Pas. Non. Alors, c'est moi qui décide, d'après ce que je comprends. Allez, on va faire un truc, on va faire délicate. Un truc bien relou. Oh, je trouve qu'elle ressemble à sa mère. Regarde. Oui, elle ressemble quand même à sa mère. Et voilà, nous sommes en 1950. Albert et Simone ont envoyé. Oh là là, toi, tu dois aller pisser. Va pisser, ma belle. Avant de te faire dessus, va pisser, Gigi. Voilà, il est minuit, c'est la nouvelle année. Merde, j'ai pas prévu les feux d'artifice et tout. Oh là là, c'est la catastrophe internationale. T'as pas pris de toast non plus. Chantez une chose. Ah, mais elle fait déjà des conneries.
Oh, c'est pas possible, tu vas nettoyer ça, hein, moi je te le dis, hein. Tu nettoies ça tout de suite, ma petite. Et comme il est minuit, on peut pas appeler ton père. Mais what the fuck? Oh, Mosette! Ah, Gisèle, la tête sur le plancher, au moins un plancher tout neuf, hein, voilà. C'est au moins ça de gagné. Quoi? Merde, le gâteau, il est gâté. Le gâteau, il est gâté. Tu peux nettoyer ça, s'il te plaît, ma belle. Bon, j'ai l'impression que le jour de l'an va être catastrophique un peu pour tout le monde, hein. Mais bon, voilà, c'est cool, c'est. Bah lui, il a au moins fait un toast là, mais chanter la chanson du jour férié. Ça va être un peu catastrophique pour tout le monde, on est d'accord. Au revoir, Juliette, à bientôt. Oh my god, regardez qui voilà! 10 ans après! Qu'est-ce que t'as, toi? Pouah, c'est dégoûtant. Ah oui, parce qu'il y a des verres. Ah, c'est la première fois que je vois ce mood d'être avec un verre. Papa, il est temps! Bon, récompense gagnée. Voilà, on n'a pas gagné grand-chose. Il va où? Mais qui c'est qui est tombé? C'est Marcel, ok. Et Thomas? Eh bien, il est là. Thomas! 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 Thomas ne part pas. Demandez de passer du temps ensemble. Et sérieux, mec, tu. T'étais où? C'est. Mais viens lui demander! Ah non, sérieux! Ah, oh, j'en peux plus de ce jeu, j'en peux plus. Allez hop, je te débug un coup. Non, non, et il était, je sais pas où là. Plus de choix, amical, oui. Offrir un cadeau, cadeau amical. Vas-y, tu vas aller. Non, tu peux pas le laisser. Thomas, reste là! Bon, allez, Gigi, je pense que t'en as fait assez, tu vas aller te coucher. Toi, oh bah aussi. Lui, bah, il est déjà parti au lit. Oh, il fait sa petite sieste. Il est choupette. Marcel, tu vas pouvoir aller te coucher aussi. Non, non, mais Thomas, j'avais réussi à le faire rester. Thomas. Thomas, nous avons besoin de toi. Mais sérieux. Eh, je vais péter un boulard. Je vais péter un boulard. Il faut que tu emménages avec ta fille. Ça commence à bien faire. Bon, j'ai un peu triché. Mais il est là. Bon, vous allez améliorer votre relation, mais vous parlez déjà bien. En tout cas, elle a l'air de bien ressembler à sa mère quand même, hein, finalement. Non! Mais non! Je vous jure, c'est pas possible. Bon, c'est pas grave, elle partira du foyer dans l'épisode prochain. J'aurais relooké aussi entre-temps, mais c'est Bérésina, hein, ici, c'est le bordel, hein. Et puis eux, ils se font d'accord, ils restent là, ils se disent, oui, bah écoutez, c'est la fête à la maison. C'est vrai que toi, du coup, tu vas manger. Mais rentre chez toi, Irène, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et puis, tu iras te coucher, si tu veux, ici. Voilà, on est bien, tout le monde a son lit. Le petit, il ira dormir après, ici. Et puis, bah, on va intégrer peut-être nos petits, là. Voilà, l'épisode prochain, ils feront partie du foyer et Denise partira. Oui, en attendant, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à faire un petit tour sur le lien Utip dans la description. Vous pouvez regarder des pubs et ça me donne un petit peu quelques centimes pour m'aider pour la chaîne, pour les futurs contenus Sims, etc. qui pourraient sortir. Je vous embrasse très fort et je vous dis donc à très bientôt pour la suite du Decade Challenge ou d'autres choses. Salut!